fait, donc avec Jam, on est deux frères. Ouais. Et on était dans la cave de notre famille, on avait des instruments de musique. Et on avait deux passions, Dieu et la musique. Et voilà, et tout simplement Glorious, ça a été le mélange de ces deux passions. On a commencé à faire des chansons de louanges, on a commencé à faire de la musique ensemble. Et on aimait tellement ça, on était tellement passionnés qu'on a décidé de faire un premier album. Et c'est un peu comme ça que Glorious est né. Et c'est à la fois une intuition, ouais. Et en même temps, on aime bien aussi parler d'appel. On a senti dans notre cœur que Dieu nous appelait à faire ça. D'accord, okay. De temps en temps, on peut se sentir, on parle de vocation quand on parle d'un métier qui est passionnant. Et ben, pour nous, ça a été ça. C'est comme une vocation de faire Glorious et comme un appel de Dieu au plus profond de notre cœur. On a plutôt tendance à dire qu'on n'est pas différent, mais qu'on est plutôt des gens ordinaires. Mais on aime bien dire ça, qu'on est des gens ordinaires qui avons rencontré un Dieu extraordinaire. C'est-à-dire on est des jeunes du monde, dans le 21e siècle, on est heureux d'y vivre. Et maintenant, c'est sûr que dans notre cœur, on est heureux aussi de vivre avec Dieu, de vivre de l'évangile, d'écouter Jésus et de le suivre au milieu de ce monde. Donc non, on n'est pas différent des autres, on n'est pas mieux, on n'est pas moins bien. On est exactement comme les autres, mais on est heureux de suivre Jésus. Ouais, et en fait, je vais te dire, moi, ce que je crois dans mon cœur, c'est qu'il est avec moi en ce moment où je te parle, et qu'il est avec moi quand je suis avec ma femme, et qu'il est avec moi, en fait, à chaque instant. Et donc, oui, je pense qu'il est avec moi, quand on est dans le cœur de cette église et qu'on va chanter, mais que la présence de Dieu dépasse même les temps de prière. Nous, on a des moments où on va penser à Dieu, où on va prier, où on va être focalisé sur lui. Et ben moi, je suis convaincu que Dieu est tout le temps en train de penser à nous. C'est en tout cas de partager sa foi, de vivre avec les gens d'une façon nouvelle la foi, à travers ce que nous on aime proposer, c'est-à-dire des temps de louange un peu actuels avec cette musique pop qu'on aime. Maintenant, ça attire beaucoup de jeunes. Pourquoi ? Parce que c'est notre culture en fait. Nous on est nés dans cette musique, c'est ce qui nous berce. C'est sûr que si on faisait de la musique un peu ancienne, peut-être qu'on attirait des gens plus anciens. Aujourd'hui, on parle à des jeunes, donc voilà. Après, je pense que j'aime dire que l'église, c'est jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Donc, c'est pas juste, Glorious n'est pas un groupe de jeunes. Glorious, c'est un groupe pour l'église. Et l'église, c'est toutes les générations rassemblées pour se réjouir avec Dieu. Donc, on a un message pour le monde entier. On a un message qui appelle chaque personne à se réjouir et à vivre l'appel de Dieu. C'est assez simple, on avait sur notre premier album, on avait pas mal de chants qui abordaient ce thème de la gloire de Dieu. C'est quelque chose d'un peu étonnant en tant qu'homme, et quand on n'est pas habitué au jargon chrétien, de la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui peut être étonnant. Et pourtant, c'est assez simple, il y a un saint, Saint Irénée, qui a dit cette phrase, mais qui est assez belle, qui dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme qui vit. Quand un homme vit pleinement, Dieu est glorifié. » Ça veut dire qu'il est vraiment, comme si on peut dire, comme s'il était heureux. Et on a trouvé ce nom Glorious avec des amis, en cherchant comment on pourrait appeler notre groupe, tout simplement. On a beaucoup aimé ce mot, et il nous suit depuis 20 ans maintenant. Voilà. C'est un ami qui s'appelle Glorious. C'est un ami qui l'a trouvé, c'est pas nous. C'est un ami qui nous l'a dit. Et on a adoré. J'aimerais dire que Glorious est un encouragement pour chaque chrétien. J'aimerais que chaque personne qui rentre dans cette église, où qu'elle en soit dans la foi,
Peut-être qu'il y a des gens qui vont rentrer dans nos soirées de louange, qui pratiquent beaucoup, qui vont à la messe tous les dimanches. Mmh. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont rentrer et qui viennent plus du tout à l'église, qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent plus à prier dans leur vie, qui n'arrivent plus à avancer. J'aimerais que Glory soit un encouragement pour leur vie, de leur dire, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous, Dieu vous accompagne aussi dans votre vie quotidienne, Dieu vous accompagne et Dieu vous accompagne quoi que vous viviez. Et Glory, c'est comme pour moi quelque chose qui doit encourager les gens, être une énergie de joie pour leur vie. Parce que je crois que quand Jésus passait dans les villages, à l'époque, quand on lit l'évangile, on voit que les gens derrière étaient réjouis, se mettaient à chanter parce que Jésus était venu proclamer la parole de Dieu. Mmh. Donc voilà ce que je dirais. C'est beau, une idée vraiment simple, mais qui rejoint exactement ça en fait. C'est Dieu vous aime. C'est ça, on peut rien dire de plus beau. Et la Bible est résumée dans cet amour, dans ce mot, pardon. Dieu est l'amour. Et Dieu aime vraiment chaque homme. Et à travers ces soirées, on essaie aussi que les gens puissent accueillir cet amour, parce que l'amour de Dieu, quand il vient dans un cœur, ça fait du bien en fait. Ça réchauffe, ça restaure, ça guérit, ça bénit. Et on a tellement tous besoin de ça. Autant nous qui avons nos guitares et qui chantons, que les gens qui viennent. Donc ça, c'est quand des gens sortent en nous disant « j'ai un petit peu goûté à l'amour de Dieu », c'est comme si on avait notre remerciement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.
et de voir des centaines de personnes se rassembler pour vivre longtemps le dimanche tous ensemble. On aime bien démarrer les soirées comme ça qu'on fait avec le Russe, en disant que ce qu'on va vous proposer de vivre ici ce soir, c'est vraiment une soirée.